Dieu voulant, je vais bientôt parler de cette sceau. Et quand nous viendrons à parler de cela, nous allons aussi parler de cette sceau au verso du livre. Oui, vous voyez, il y a sept sceaux, sept coupes, etc., etc. Toujours sept, sept trompettes. Mais il y a aussi au verso du livre sept sceaux. Daniel avait entendu la voix dans Daniel 12, verset 8, mais et il ne lui avait pas été permis d'écrire, et Jean aussi, il ne lui a pas été permis d'écrire. Et ça a été scellé au verso du livre, et après que tous les mystères ont été révélés et apportés, c'est ainsi qu'il est écrit que c'est dans ce temps que le mystère de Dieu sera dévoilé. C'est-à-dire, qui est Dieu, comment est-ce qu'il est devenu chair et ce qu'il a fait pour notre salut, cela, dans ce temps, doit être dévoilé. Et nous sommes justement dans ce temps, prêts pour les sept sceaux et les sceaux qui sont au verso du livre, qui étaient au verso du livre. Mais tout doit être en total, en parfait accord avec tout le contenu de la Bible. Nous allons maintenant essayer de nous dépêcher. Je vous remercie tous de ce que vous êtes venus pour ce que vous avez fait. Et je fais confiance à ce que nous n'allons pas vous retenir longtemps. Vous avez beaucoup de patience et ma femme m'a déjà dit, elle a observé des femmes qui même étaient assises et qui se... Et il y en avait d'autres qui étaient restés debout derrière et qui étaient en sueur et malgré tout ont suivi et ont reçu chaque parole. Et je voudrais que l'onction du Saint-Esprit soit en moi, soit sur moi et sur toute l'assemblée et que tout ce qui est dit soit la totale vérité et qu'ils puissent pouvoir s'attacher à cela. Je veux d'abord m'excuser. Ce matin, je suis allé tôt et les cassettes n'avaient pas été allumées, mais je voudrais mis en marche. Je voudrais malgré tout d'abord finir des pensées de la dernière prédication, des pensées que je n'ai pas prononcées. Peut-être que je n'ai pas exprimé, peut-être que je ne l'ai pas comme ça entièrement achevé, cette prédication. J'avais parlé du compte à rebours, du countdown, et je ne sais pas si j'ai dit, en fait, dans toute cette prédication, ce que c'est qu'en fait que le compte à rebours. Mais, quand on est dans la même condition qu'autrefois, si on est dans la même condition que l'autre fois, alors je voudrais ici terminer cela. Je voudrais que vous puissiez tous me pardonner pour cela. Si je termine encore cette certaines pensées et nous allons commencer le prochain sujet. Bon, si maintenant vous voulez mettre en marche les appareils pour l'enregistrement, voilà, nous avons eu un temps merveilleux et nous avons parlé des différents sujets, différents enseignements, nous les avons traités et je pense maintenant peut-être que j'avais donné un peu plus de temps pour que vous puissiez avoir la possibilité de tourner vos appareils. Bon, de tourner vos cassettes. Bon, je dois un peu faire attention à ce que je puisse mettre les choses en ordre pour qu'il n'y ait pas de désordre. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis heureux d'être ici ce soir. Il y a beaucoup de personnes ici. Quelques-uns doivent rester debout. Et nous avons eu trois réunions aujourd'hui. Et si quelqu'un écoute cette bande, je voudrais qu'il puisse aussi écouter celle de hier soir. C'est l'état actuel, la position actuelle du ministère que le Seigneur m'a donné. Et particulièrement les prédicateurs devraient écouter cette prédication, ces prédications-là, avant que leurs différentes assemblées puissent les écouter. Oui, aujourd'hui nous avions déjà eu à parler de ce sujet, le compte à rebours, car l'Église est en train d'aller vers l'enlèvement.
Et maintenant, nous voulons parler de ce sujet dans sa présence. Comment est-ce que nous remercions Dieu de ce que nous avons le privilège de venir dans sa présence, de vivre et de demeurer d'être dans sa présence. D'abord, je voudrais que vous puissiez avec moi aller dans le prophète Daniel, le chapitre 6, Ésaïe, chapitre 6. Et tous ceux qui connaissent ce texte, nous savons que Ésaïe était l'un des prophètes principaux et l'un des grands prophètes de son temps. Il a achevé sa vie en étant scié et il a donné son témoignage, en donnant son témoignage, et il a été porté par la puissance de Dieu. Ésaïe 6, à partir du verset 5, commençons avec le verset 5. Alors, je dis, malheur à moi, oh, peut-être que je devrais commencer avec le verset 1, je m'excuse. Peut-être que nous commencerons à partir du verset 1 jusqu'à à peu près au verset 8. Ésaïe 6, verset 1, l'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphines se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes, deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint ». Est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Verset 8, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Que le Seigneur puisse bénir sa parole. Je pense que ça, c'est l'un des passages les plus puissants, parmi les plus puissants. Dans la présence de Dieu, des personnes se reconnaissent comme pécheurs. L'homme se reconnaît comme pécheur. On pourrait avoir des ressentis comme ça, être bien, etc. Et penser que nous sommes des hommes bons et bien. Mais quand nous venons dans la présence de Dieu, nous voyons à tel point nous sommes petits. Et rien du tout. Il n'y a pas longtemps, je m'étais retiré avec l'un de mes amis que j'avais conduit à Christ, Burgskold, là-bas à Neuhrenstadt. L'un de mes amis qui vont avec moi chasser. Et nous étions allés là-bas pour voir les chutes d'eau, c'était quelque chose de merveilleux, de puissant. Nous devions comme ça aller très éloignés de la route. Et nous avons vu comment est-ce que l'eau verte, bleue, comment est-ce qu'elle jaillissait et comment est-ce qu'elle tombait sur les rochers. Et il disait, oh Billy, ici un homme doit se ressentir très petit de voir cela. Et il a à peu près comme ça montré comme ça un millimètre avec ses doigts. Et il pensait ici qu'ici il voit la création de Dieu. Et il se ressentait si petit en face de tout cela. Et cet homme qui a écrit ce cantique, Dieu Tout-Puissant, comme tu es grand, comme tu es grand. Et quand on regarde aux étoiles, c'était une fois alors que le frère Fred et le frère Ward et le frère Michael Nelly, là-bas, en Arizona, étaient. Nous avions essayé d'estimer à tel point une étoile pourrait être proche de l'autre. Et la distance que les étoiles ont de nous,
et nous avons pensé comment est-ce que les étoiles sont proches l'un de l'autre. Et alors, on devait dire que, en fait, ces étoiles-là sont peut-être éloignées l'un de l'autre comme nous le sommes d'elles. Et c'est ainsi que nous avons reconnu comment est-ce que nous sommes petits. Et nous reconnaissons comment est-ce que Dieu est grand. Et malgré tout, nous pouvons venir dans sa présence. Bon, toujours, cela a produit un effet dans les hommes quand ils venaient dans la présence de Dieu. J'ai vu ce temps dans mon ministère. Si vous voyez que la présence de Dieu descend dans l'endroit où nous sommes d'une manière qu'une personne reconnaît, cela est que sa vie est manifestée, est révélée, et que ses péchés sont révélés, et que sa manière de vivre sans morale est révélée. Alors, quelle crainte sainte les saisit. Il y en a même qui se sont évanouis, il y en a qui sont tombés, il y en a d'autres qui ont couru à l'autel et qui ont demandé la grâce de Dieu avant même qu'ils puissent venir à la nuit de prière, quand ils voyaient que les péchés des autres étaient révélés. Il y a quelque chose de venir dans la présence de Dieu. Cela produit en nous que quelque chose se passe quand la présence de Dieu est manifestée. J'ai vu même que des gens avaient été portés par des civières dans la réunion et subitement, je me rappelle par exemple, en Mexique, alors que cette mère mexicaine avait apporté son enfant qui était mort. Beaucoup de milliers de personnes avaient vu que l'enfant était mort. Peut-être que 70 000 personnes étaient réunies là-bas et ont vu que cet enfant a été ressuscité. Il y en a qui se sont évanouis, d'autres ont levé leurs mains et ont loué et remercié Dieu. Ils ont reconnu qu'un homme ne peut pas faire ça. Ils étaient et ils ont reconnu que la présence de Dieu est parmi eux. C'est la présence de Dieu qui est capable de faire ces choses. La présence de Dieu, Dieu lui-même présent. J'ai entendu des gens parler d'une manière puissante de Charles Finney, un homme très petit. Il pesait peut-être 1,10 m ou bien il était très petit, mais il avait une manière puissante de parler et de prêcher. Mais un jour, il a voulu essayer l'acoustique, donc le micro dans une salle de réunion. Et à l'époque, on n'avait pas encore de baf. Et il y avait un homme en ce moment, pendant qu'il était en train de vouloir essayer le micro, qui était en train de faire de la réparation en haut. Et tout était calme. Et Monsieur Finney est allé avant les réunions de réveil pour essayer les micros de la salle et pour voir comment est-ce que l'acoustique s'entend. Et il est allé au podium et il a dit, répentez-vous, sinon vous mourrez de vos péchés. Et l'homme qui était en train de réparer là-bas quelque chose, il a eu une telle impression qu'il est tombé, à terre du balcon qu'il était. Il a commencé à crier. Il a demandé la grâce de Dieu. Finney a prêché de manière très merveilleuse à l'époque, très puissante. Et parce qu'aucune église ne pouvait contenir les hommes qui venaient l'écouter, il a prêché d'une telle manière, il a décrit l'enfer d'une manière que les hommes s'étaient écroulés. Il y en a qui sont tombés dans les rues et qui ont crié dans la présence de Dieu. Il était un prédicateur puissant. Des prédicateurs qui sont capables d'apporter la parole de Dieu, apportent dans l'église, sur l'église, la présence de Dieu, qui prêche la véritable parole de Dieu. Sinon, les hommes ne reconnaîtront pas la présence de Dieu. C'est ainsi que quand le premier homme, dès qu'il avait péché, qu'il avait agi de manière fausse et qu'il devait venir dans la présence de Dieu, il ne pouvait pas venir. Il s'est caché. Il a dû se cacher et il a essayé lui-même de se couvrir avec des feuilles de figuier, car il savait que dans la présence de Dieu, lui qui a créé toutes choses, il ne pourra pas résister, il ne pourra pas subsister. Ça a été la réaction du premier homme après le premier péché. Le péché était entré dans sa vie et il a essayé de se cacher. Vous voyez, autrefois, le péché n'avait pas encore eu des racines comme maintenant dans les hommes. Il avait peur de venir dans la présence de son Créateur. Il ne voulait même pas venir dans la présence de Dieu jusqu'à ce que Dieu l'ait appelé. Nous pourrions repartir et
de Genèse 17, le verset 1, prendre le verset 1 de Genèse, verset 17. Alors que Abraham, ce patriarche, était venu dans la présence de Dieu et que le Seigneur avait parlé avec lui. C'est ainsi que le Seigneur s'était révélé à lui en tant que le Dieu Tout-Puissant. C'est ainsi que Abraham est tombé sur sa face. Ce grand serviteur de Dieu ne pouvait pas se tenir dans la présence de Dieu. Quoique Abraham l'avait servi de manière fidèle depuis 25 ans. Mais quand il était venu dans la présence de Dieu, il est tombé sur sa face. Parce qu'il ne pouvait pas subsister devant la présence de Dieu. Dans Exode chapitre 3, nous trouvons aussi que Moïse, le grand serviteur de Dieu et prophète, alors que là-bas, dans le désert, il était, dans Exode 3, avant de sortir, il était né pour un objectif bien précis. Depuis le ventre de sa mère déjà, il avait été déterminé à être prophète. Il a essayé par l'instruction et par toutes sortes de choses, il a essayé de sauver son peuple. Car il avait compris qu'il avait été déterminé à cela. Mais l'instruction théologique ne lui a rien servi. Il était très instruit. Il a même enseigné la sagesse des Égyptiens aux Égyptiens. Il était sage et instruit. Il connaissait les Écritures de A à Z. Il connaissait les promesses que Dieu avait faites. Il savait tout. Mais tout avec sa compréhension humaine. Il était un grand homme militaire. Mais un jour, là-bas, dans le désert, il est allé dans la présence de Dieu. Il a ôté ses sandales. Il a su qu'il se tient sur un sol saint. Il ne pouvait pas subsister alors qu'il est venu dans la présence, qu'il était dans la présence de Dieu. Il est tombé comme Abraham est tombé sur sa face dans la présence de Dieu. Dans Exode 19, verset 19, alors que le peuple de Dieu élu était sorti, et nous savons par Abraham, Isaac et Jacob, et ensuite les patriarches, et des années sont passées. C'était des saints hommes, des grands hommes, un peuple élu, choisi, un peuple saint au Seigneur, consacré au Seigneur. Ils ont servi Dieu toute leur vie. Et un jour, Dieu a dit, rassemble-moi Israël, je vais parler avec eux. Et alors que Dieu est descendu sur la montagne de Sinaï, et que toute la montagne était en feu, et que la fumée montait comme d'un gros un grand four, et la voix de Dieu comme un tonnerre retentissait, et le peuple de Dieu a dit, oh que Moïse puisse parler avec nous, mais pas Dieu, sinon nous allons devoir mourir. Des hommes dans la présence de Dieu, ou bien des personnes dans la présence de Dieu, reconnaissent qu'ils sont pécheurs. Ils étaient tous circoncis selon les Écritures, selon la loi. Ils ont observé la loi. Mais quand Dieu a parlé et qu'ils étaient dans sa présence, ils ont reconnu qu'ils ne peuvent pas subsister. Quelque chose leur manquait. Ils ne pouvaient pas subsister devant Dieu. Oui, ils disaient que ce soit Moïse qui parle avec nous et pas Dieu. Car si Dieu continue encore à parler avec nous, nous allons devoir mourir. Que Moïse puisse parler avec nous. C'est aussi dans Luc chapitre 5 au verset 8. Alors que Pierre, lui qui était si têtu, dit Frère Branham, et un homme avec beaucoup d'influence comme nous pourrions comprendre aujourd'hui. Il avait beaucoup d'influence. Il était bien vu, c'était un pêcheur de poissons bien vu et connu de son temps. Mais quand il a vu le miracle de Dieu, qu'un homme simple fait cela, c'est ainsi que cela semblait. Mais il savait que cela, ça doit être plus qu'un homme qui a mis tous ses poissons dans ce filet. Car ils ont pêché toute la nuit et ils n'ont rien entendu, ils n'ont rien reçu. Mais quand il a entendu, jette le filet à ta droite. Et c'est ainsi qu'ils ont attrapé tout un nombre de poissons. Alors il a reconnu qu'il était un pêcheur. Et il a dit, éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pêcheur. Qui a dit cela? C'était Pierre qui l'a dit. Et quand, dans la présence du Seigneur, et il a dit au Seigneur, demandé au Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pêcheur. Je suis un pêcheur. Abraham a reconnu de la même manière. Adam s'est reconnu de la même manière. Tous
tous les enfants de Dieu. Moïse s'est reconnu de la même manière. Israël, en tant que nation, en tant qu'église, ont reconnu qu'ils sont faux. Retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Luc 5, verset 8. Il n'a pas essayé de dire, moi je suis digne, je suis saint. Non, je suis un homme pécheur. Et un jour, un pharisien avec tout son savoir, il était assis au pied de Galiléen. Son nom était Saul, était Saul de Tarsus. Et nous le connaissons en tant que Paul, un homme religieux, religieux jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Il était le pharisien des pharisiens et l'hébreu des hébreux. Il était un homme connu, un homme instruit. Il était intelligent. Il était intelligent et instruit. Et il pensait servir Dieu depuis son enfance déjà. Mais un jour, sur le chemin de Damas, la colonne de feu est venue sur lui et il est tombé sur sa face. Et il était dans la poussière et il a crié, Seigneur, qui es-tu? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Son grand entraînement, toute sa théologie, toute son instruction ne lui servait plus rien et ne lui signifiait plus rien alors qu'il était tenu dans la présence du Seigneur. Je voudrais aujourd'hui dire ici, vous pourriez avoir toutes sortes de diplômes, vous pourrez être allé à l'église depuis votre enfance et avoir pris part à toute pratique religieuse. Je vous dis que dans la présence de Dieu, vous allez devoir reconnaître qui vous êtes réellement, qui êtes-vous réellement. Il a reconnu qu'il était faux et il est tombé au sol sous l'influence et la puissance qu'il avait rencontrée. Et il savait que le même Dieu, le Seigneur, qu'il persécutait en fait, qu'il allait contre lui, il devait tomber devant lui. Il était maintenant dans la présence de Dieu. Il avait vu la colonne de feu. Qu'est-ce qui s'est passé avec Jean? Jean qui avait reçu la révélation alors qu'il avait vu les visions. Il avait entendu une voix qui avait parlé avec lui et il s'est tourné pour voir la voix. Et il a vu 7 chandeliers d'or et il y en avait un qui se tenait parmi les 7 chandeliers d'or. Et ses yeux étaient comme des flammes de feu. Et il est décrit dans Apocalypse 2 et il avait une ceinture en or. Et quand ce Jean, qui avait marché depuis des années avec Christ, qui s'était couché sur sa poitrine, qui avait vu tout ce que le Seigneur avait fait de son passage sur la terre, qui était le disciple, le bien-aimé du Seigneur, qui avait marché avec Jésus, qui avait parlé avec lui, qui avait mangé avec lui, qui avait dormi avec lui, qu'alors qu'il a vu maintenant là-bas, dans son état de gloire, il est tombé comme un mort. Le même homme, pensez à cela, qui avait marché avec le Seigneur depuis des années. Nous pouvons aller à l'assemblée, à l'église, nous pouvons louer Dieu, exalter Dieu. Mais bien aimés frères, si vous voyez que son retour est devant la porte, alors il y a quelque chose d'autre qui va devoir se passer avec chacun de nous. Nous pourrions penser que nous avons fait tout. Nous avons payé la dîme, nous avons payé donné l'offrande, et nous étions fidèles à l'église, nous, etc. Mais quand vous devrez rencontrer le Seigneur, alors tout va changer. Bien sûr, cela va se passer. Ce grand homme, Jean, un tel homme, duquel la Bible ici dit dans Apocalypse 1 au verset 7, il est tombé comme s'il était mort à ses pieds. Après qu'il avait eu des communions avec Christ pendant combien d'années? Il était l'écrit des épîtres et il avait mangé avec lui, il avait connu selon la chair, il avait dormi avec lui, il avait communié avec lui. Il accompagnait le Seigneur partout où il allait. Jean, le disciple fidèle, alors qu'il avait vu là-bas, la vie est comme sortie de lui. Il est tombé comme mort. La Bible dit qu'il est tombé comme mort. Qu'est-ce que ça veut dire? À terre. Et si nous voyons Ésaïe, dans ce chapitre que nous avons lu dans Ésaïe 6, ce grand prophète puissant, l'un des plus grands prophètes de la Bible. Il y a 66 Bibles dans la Bible et il y a 66 chapitres dans le prophète Ésaïe. Et Ésaïe commence avec le commencement comme s'il commençait avec la Genèse. Et au milieu, il commence avec le Nouveau Testament et il termine en parlant du règne de 1000 ans.
Vous voyez, c'est parfait. Ésaïe était l'un des prophètes principaux. Mais il s'était abandonné au Dias, le roi de ce temps. Et c'était un homme bon et il était juste, ce roi. C'était un bon roi. Et il avait reconnu qui était Ésaïe dans son temps. Et Ésaïe voyait des visions. Ésaïe était un prophète. Ésaïe avait prêché la parole. Il était un prédicateur. Et ce roi l'avait reconnu dans son ministère de prophète. C'était un homme saint, Ésaïe. Mais un jour, là-bas, dans le temple, il a été ravi en esprit. Et il a vu la gloire de Dieu. Il a vu les anges, les séraphines, avec leurs ailes. Couvrant la face, les pieds se couvrant, et avec. Et il disait, Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées, l'Éternel des armées. Le prophète a reconnu qu'il n'est rien du tout. Il a dit, malheur à moi. Je suis un homme avec des lèvres impures, un prophète. L'un des plus puissants prophètes de la Bible dit que je suis un homme avec une lèvre impure et j'habite parmi un peuple avec une lèvre impure. Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite et j'ai vu la gloire de Dieu. Et quand les séraphins ont dit Saint, 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 c'est ainsi que tout s'est ébranlé sur l'autel avec des. Mais je vous dis que le temps arrive où pas seulement l'autel va et son fondement va retentir et pas seulement la fumée. Mais le temps viendra où ils diront aux montagnes de tomber sur eux, où tout va s'ébranler. C'est un temps terrible, mes frères et sœurs. Bien-aimé, ami, examine-toi. C'est le temps pour s'examiner maintenant. Ésaïe disait, je suis un homme avec une lèvre, avec des lèvres impures. Et j'habite au milieu d'un peuple avec des lèvres impures, dont les lèvres sont impures. Et je pense que ces hommes ont... Si ces saints hommes avaient des lèvres impures, qui se sont reconnus en... Saints hommes qui sont reconnus en tant que pécheurs dans la présence de Dieu. Où alors va rester le pécheur et l'homme méchant dans ce jour? Qu'est-ce que les hommes feront? Qui se sont assis dans les réunions et ont écouté la parole, qu'est-ce qu'ils feront? Ceux qui ont vu la puissance de Dieu, ceux qui ont attendu le compte à rebours et qui ont vu Dieu révélé et manifesté et sans ombre de doute, chaque écriture s'accomplit et ils essaient d'aller au ciel sans naître d'en haut, sans expérimenter le baptême du Saint-Esprit, sans expérimenter une conversion réelle. Je vous dis que si le juste, ce serait difficile pour lui d'entrer. À plus forte raison, le pécheur et l'homme méchant. C'est écrit dans 1 Pierre 4. Le jugement de Dieu commencera dans la maison de Dieu. Si nous voyons Dieu se dévoiler et la gloire de Dieu se manifester et nous continuons comme ça, à seulement être en train de parler d'un message, si les autres prophètes et les hommes de Dieu ont crié et ont dit, malheur à moi, je suis perdu. Si ils ont dit et ils sont tombés sur leur face et ils ont dit, je suis un homme pécheur, un homme avec dont la lèvre est impure. Qu'est-ce que nous devons dire alors nous? Et qu'est-ce qui doit se passer avec une personne qui ne veut même pas confesser ses péchés, avec les jeunes qui cachent et qui ne veulent pas confesser leur péché? Et qu'est-ce qui va se passer avec ceux-là qui pensent qu'ils savent mieux, connaissent mieux les choses de la création que le Créateur? Qu'est-ce qui va se passer avec ceux-là qui résistent à Dieu, qui contredisent Dieu et qui remettent l'existence de Dieu en question? Qu'est-ce qui va se passer avec ces personnes? C'est le temps de l'évangélisation. C'est le temps de branler les hommes. C'est le temps dont Dieu a dit autrefois que la montagne du Sinaï sera ébranlée et que maintenant il ébranle encore une fois. Il va ébranler encore une fois tout ce qui peut être ébranlé, comme c'est écrit dans Hébreux. Mais regardez ce que les Écritures disent. Nous allons hériter un royaume qu'on ne peut pas ébranler, inébranlable. Alléluia. Tout ce qui pourra être ébranlé va être ébranlé. Le ciel sera ébranlé, la terre sera ébranlée, le ciel et la terre vont passer. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Car sur ce rocher, il a dit, je bâtirai mon église et les des sujets de mort ne prendront pas contre elle. Tout ce qui pourra ébranler, il va l'ébranler. Mais nous allons recevoir un royaume que la parole de Dieu nous a promis. Et
il ne peut pas être ébranlé. Amen. Oh, comme c'est merveilleux. Nous recevons un royaume qui ne peut pas être ébranlé. C'est inébranlable. C'est ainsi que Paul, l'écrivain des Hébreux, a dit, quel temps c'est, vous voyez, souvent nous-mêmes, nous avons aussi vu la gloire de Dieu, bien sûr. Nous l'avons vu. Nous l'avons vu comme Abraham l'a vu. Nous l'avons vu comme Moïse l'a vu. La même colonne de feu, la même puissance de Dieu, le même Christ qui se dévoile et qui maintenant dans la fin des temps, dans la fin des jours, se manifeste, se révèle. Comment est-ce que nous pouvons alors venir et prendre les choses à la légère? Comment est-ce que nous pouvons encore nous attacher à des choses qui n'ont pas leurs origines dans la parole de Dieu et s'attacher aux dénominations? Qu'est-ce que ce sera pour nous alors? Qu'est-ce que nous ferons après avoir vu la puissance de Dieu, la gloire de Dieu? Il y en a qui se tiennent là et qui se moquent. Il y en a d'autres qui disent c'est du fanatisme. Il y en a d'autres qui disent c'est de la télépathie. Il y en a d'autres qui disent c'est le Belzébuth. Et ils donnent toutes sortes de désignations. Et comme il est écrit, les méchants marchent avec des sabots là où les anges n'osent même pas marcher. C'est écrit dans 2 Pierre chapitre 2. L'homme méchant dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu, comme c'est écrit dans le psaume 10. Quoi qu'il voie Dieu manifester en accord avec sa parole, et ils ne prennent pas part à cela, ce sont des insensés. Car Dieu est dans sa parole, et sa parole est toujours vraie à ceux qui la reçoivent, est toujours claire pour ceux qui la reçoivent. Qu'est-ce que ce sera pour ces hommes, quand ils vont devoir rendre compte ceux qui sont allés comme ça sans prendre part à ce que Dieu a fait? Ce sera terrible pour l'homme méchant. Oh pécheur, répentez-vous. Vous voyez, un pécheur qui réellement a fait repentance, il sait qu'il y a un sacrifice plein de sang qui a été apporté pour lui. Et cela nous accorde la consolation. J'ai vu la gloire de Dieu, j'ai ressenti, j'ai expérimenté sa puissance. Je connais le toucher de sa main. Je sais qu'il est Dieu. Je sais qu'avec moi, il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bien en moi, mais je sais qu'il se tiendra pour moi et qu'il dira Père, tu as mis tous ces péchés sur moi et maintenant je peux venir avec assurance et j'ai accès libre au trône de la grâce car je sais que c'est seulement sa miséricorde et sa grâce qui me permet de venir à lui, qui m'ont permis de venir à lui, pas par ce que j'ai fait, pas par des œuvres ou bien par d'autres choses, mais par sa grâce, comme le poète déjà l'a dit. Et il a chanté, comme le son est merveilleux. Il a sauvé un ver comme moi. J'étais aveugle et maintenant je vois. Comment est-ce que vous pourrez aller au ciel? Il n'y avait pas de possibilité d'aller au ciel. Mais il y en a un qui a frayé le chemin. Il est lui-même le chemin. Et comment est-ce que nous allons chez elle? Pas en étant baptisé par un seul esprit pour former un seul corps. C'est ainsi que ce corps sera ressuscité dans le monde entier et sera enlevé dans la fin de ses jours. Amen. Bien sûr, les pécheurs qui se sont repentis n'ont pas besoin de se soucier. Bon, qui ont regretté et ont abandonné. Si vous êtes venu dans sa présence et vous savez que vous êtes dans sa présence, il ne s'agit pas seulement d'être venu, mais de demeurer en lui. Et vous voyez qu'il a fait ce qu'il a fait alors qu'il était sur terre. Comment est-ce que vous reconnaîtrez? Vous reconnaîtrez l'arbre, c'est par le fruit. Comment est-ce que vous reconnaîtrez la véritable église, c'est par son fruit? Jésus-Christ a dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites. Il a dit, ceux qui croient en moi, voici les œuvres qui accompagneront ceux qui auront cru. Il n'a pas dit que nous devons bâtir des dénominations. Il n'a jamais dit que nous devons comme ça placer des opinions, des interprétations, des doctrines. Au contraire, il nous avertit de cela. Il a dit, celui qui retranche bien, qui ajoute, sa part sera ôtée de l'arbre de la vie. Et il recevra les flots qui sont écrits dans ce livre. Vous voyez, nous n'avons pas le droit de faire ces choses, mais nous devons nous attacher à la parole et demeurer dans les saintes écritures. Et si quelqu'un est envoyé de Dieu, il demeurera dans les écritures, car Dieu peut que demeurer avec les écritures. Dieu demeure avec sa parole. Et si nous sommes dans sa présence, nous venons dans sa présence. Et si quelqu'un vient dans sa présence, il est transformé une fois pour toutes, pour toujours. Vous ne pourrez plus reconnaître cette personne. Vous, oui.
Il y en a qui viennent dans la présence de Dieu et ils ne sont pas en souci. Ils sont là parce qu'ils n'étaient pas déterminés à la vie éternelle. Mais si quelqu'un, selon Actes d'Apôtre 13, verset 46, est déterminé à la vie éternelle et vient dans la présence de Dieu, il sera transformé. Regardez cette femme de mauvaise vie en Samaritaine, en Samarie. Dans Jean 4, elle était une femme de mauvaise vie. Mais quand elle a vu et qu'elle a su qui parle avec elle et qu'elle a dit, nous savons ces choses. Quand le Messie viendra, il nous dira toutes ces choses. Mais toi qui es-tu? Il a dit, je suis celui qui parle avec toi. Alors elle n'avait plus de questions. Mais elle a su que maintenant la responsabilité est sur elle. Je suis venu dans la présence de Dieu. J'ai à ce moment-là la responsabilité d'en parler aux autres. Alléluia. C'est vrai. Chaque homme, chaque personne qui vient dans la présence de Dieu est responsable pour son entourage devant Dieu, qu'à ce moment-là, il faut qu'il en parle aux autres. Vous voyez, regardez Abraham, regardez Moïse, regardez Pierre, regardez Paul. Au moment où ils sont venus dans la présence de Dieu, ils se sont reconnus comme pécheurs et ils ont scellé leur témoignage de leur vie. Regardez cette femme, elle est allée tout de suite dans la ville. Et elle a dit, venez, voyez celui que j'ai rencontré. N'est-il pas le Messie? Elle ne pouvait pas renier. C'était en accord avec les Écritures. Vous voyez, si nous avons une responsabilité, alors nous voulons le dire aux autres. Vive une vie, vive digne de l'Évangile. Paul et tous les autres, alors qu'ils ont vu le Seigneur et qu'ils sont venus dans sa présence, alors vous aussi, vous êtes responsable pour le message de l'apporter aux autres. Et que vous soyez une lettre lue de tous les hommes de Christ. Vous ne pouvez pas comme ça rester assis tranquillement. Vous devez apporter ces choses aux autres. Je pense à une vieille sœur qui était ici, la mère du frère Swelling. La mère du frère Swelling. Elle a toujours chanté. Je suis revenu, je suis allé ici et là. Je me suis assis et je suis reparti encore pour dire et rendre témoignage des choses dont mon cœur est rempli. Et je pense à une assemblée de frères et sœurs de peau noire à Noelville. Ils ont chanté, je cours sur le chemin élevé du roi. Je vous dis que si vous avez trouvé Christ, vous ne pouvez plus rester tranquille. Vous êtes une personne transformée. Vous devez en rendre témoignage. Quand, si la lumière et la lumière se rencontrent, alors il fait clair. Si l'ampoule rencontre le courant, est apportée en contact avec le courant, il faut que la lumière brille. Rien ne pourra empêcher que l'ampoule, que la lumière brille. Ce n'est pas possible. Cela doit se passer. Et si un homme ou bien une femme sont déterminés à la vie éternelle et qu'ils voient comment est-ce que le fleuve de Dieu, le courant de Dieu est manifesté et qu'ils sont allumés, alors la lumière, lui, peut-être que vous n'avez pas 500 volts, peut-être que vous avez seulement 10 volts, mais laissez luire cette lumière qui vous est accordée. Accordez votre lumière et laissez-la briller. Vivez selon ce que vous avez compris pour que les hommes voient vos bonnes œuvres et louent votre Père au ciel. Bien sûr, si un homme vient en contact avec Dieu, il se reconnaît comme n'étant pas bien. Et bon, comment est-ce que quelqu'un pourrait venir dans sa présence et dire, je suis si bien, j'ai fait ceci et cela, alors qu'il n'est rien. Il n'est rien du tout depuis le commencement. Un jour, j'étais à Memphis, Genesis, et c'était le frère David qui là-bas avait eu des réunions de réveil et nous étions ensemble là. Et nous sommes allés dans un collège ou bien alors dans une galerie de culture, oui, date. Et ils ont placé là-bas, donc exposé plein de choses, d'articles du monde entier. Et il y avait une chose, ils ont voulu estimer la valeur de l'homme. Et il était écrit en bas, toute sa valeur est 84 centimes. Ils ont calculé toute la constitution de son corps, ils ont calculé tout. Et le résultat de l'homme, de sa valeur, il était écrit en bas, 84 centimes. Il y avait des personnes qui étaient autour de nous et ils se sont dit l'un à l'autre, mais Jim, nous n'avons aucune valeur. Qu'est-ce que c'est que 84 cents? Alors je leur ai dit à ces personnes, je leur ai dit, si vous êtes rachetés par la puissance de Dieu, vous aurez une grande valeur. Vous avez une grande valeur.
Vous voyez, les hommes, les personnes ont la responsabilité de parler du rachat. J'ai commencé cela très jeune et toute ma vie, je l'ai utilisé à cela. Et si même j'avais 10 000 vies, je ferais toujours la même chose, de parler de ces choses aux hommes, car c'est la chose la plus importante dans notre vie. Si vous allez dans Ézéchiel 33, ici, il est parlé d'une sentinelle qui est sur la tour. Et cet homme est responsable pour toute la ville. Amen. Ézéchiel 33. Responsabilité d'Ézéchiel comme sentinelle. Il veille pour votre état spirituel. Ce sentinelle doit être un homme entraîné. Il doit savoir ce qu'il fait. Car de chaque distance, tant qu'il peut voir, il faut qu'il puisse déjà reconnaître l'adversaire. Et il doit reconnaître l'adversaire par sa marche, par sa couleur, et à la manière avec laquelle il s'approche, à tout, au plus loin possible que l'œil humain peut voir. Et ce sentinelle-là était toujours plus élevé que tous les autres. Et Dieu a exigé de lui la responsabilité. Oh sentinelle, quelle heure il est ? Dans la nuit, alléluia. C'est ainsi aussi avec les sentinelles de Dieu. Ils sont entraînés avec la parole. S'il y a quelque chose qui veut rentrer, qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu et les Écritures, alors il avertit l'assemblée, l'église, et tout ce qui n'est pas biblique, et tout ce qui ne vient pas de Dieu. Comment est-ce qu'aujourd'hui on voit dans les assemblées? Ils dansent et toutes ces choses qui se passent, cela est faux. On a des jeux dans les assemblées, des jeux de cartes et d'autres jeux. Un véritable sentinelle qui une fois est venu dans la présence de Dieu, va parler contre ces choses et reprendre le peuple de Dieu. Vous voyez, il doit le faire. Et pour cela, il est sur la tour au-dessus de toute l'assemblée pour pouvoir monter, avoir une vue d'ensemble surtout et pouvoir discerner ce qui n'est pas bien et pouvoir donc donner la réponse au troupeau. Un homme de Dieu qui vit dans la présence directe de Dieu, il sait très bien que Dieu accomplit ce qu'il dit et que Dieu se manifeste. Et s'il fait tout ce qu'il doit faire, Dieu lui fera le reste. Ça n'a pas d'importance ce que les organisations disent et font. Lui, le sentinelle, il sait et il va frapper l'adversaire avec la parole de Dieu. Amen. Il sait ce qu'il a à dire. Un véritable sentinelle, il sait ce qu'il a à dire à l'église. Si nous avons annoncé et que si nous avons confessé et que nous sommes dans sa présence et que nos péchés sont expiés, même de sa mémoire, seulement Dieu peut le faire. La Bible dit que même si nous sommes infidèles, il est fidèle. Mais Jean dit que si nous confessons, alors il est fidèle. Seulement Dieu peut oublier. Vous les hommes, vous pouvez pardonner, mais vous pensez à ce qui s'est passé. Mais Dieu, lui, peut pardonner et oublier. Si nous confessons, il est fidèle. Seulement si nous confessons. Alors, pour nous purifier de tout péché. Dieu ne pensera plus à cela. Cela fait que je me sens bien. Dieu ne pense plus. C'est passé. Il ne pense plus jamais à cela. Seulement Dieu a cet attribut d'oublier. Il a effacé l'acte. Ça n'existe plus. C'est comme si vous ne l'aviez jamais fait. Moi, je ne peux pas. Toi, tu ne peux pas le faire. Nous allons, même si nous avons pardonné, nous allons pouvoir penser à ces choses. Mais Dieu est infini. Dieu peut absolument oublier que cela a été fait. Amen. Il y a une jeune femme qui vient d'une église là-bas, donc qui n'est pas en ville, donc un peu retirée. Et son papa aimait louer Dieu et remercier le Seigneur. Et elle avait comme ça une réunion avec des sœurs comme ça à la maison. Et ce frère ne pouvait rien faire d'autre que même après avoir déjeuné, mangé, il lisait la Bible, il louait, il exaltait le Seigneur en lisant la Bible, il se réjouissait. Et il était comme ça en mouvement, même quand il ne pouvait pas dormir. Il a lu la Bible et après il s'est levé, il a loué au gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Parfois même avec le pied comme ça, il a fait des coups en se réjouissant. Et un jour, sa fille avait comme ça une rencontre avec les sœurs de l'assemblée.
Et elle ne savait pas ce qu'elle devait faire de son papa. C'était son papa. Et elle avait décidé donc de le mettre dans la chambre au premier étage. Elle lui a dit, papa, tu ne vas pas vouloir être ici comme ça où toutes ces femmes-là sont. Et elle a dit, non, je ne vais pas être comme ça là avec vous. Il n'y a que des filles. Et alors, elle a dit, regarde, nous avons une petite réunion de prière. Pourquoi est-ce que tu ne monterais pas dans la chambre? Il a dit, bien sûr, je peux le faire. Et elle a dit, mais ici, il y a un livre, que tu puisses lire ce livre. C'est sur la géographie. Elle lui a exprès enlevé la Bible. Elle lui a dit, aujourd'hui, tu n'as pas besoin de la Bible. Lis un peu dans ce livre. Elle pensait à cela. Alors, au moins, il va être tranquille. Parce que s'il commence à lire dans la Bible, il va commencer toujours à louer, à crier, à se réjouir. Et elle ne voulait pas. En face de toutes ces femmes qui étaient venues. Et elle a dit, papa, ce livre-là te parle de toute la vérité sur tout le monde entier. Tu as seulement besoin de lire et d'être tranquille. Il a dit, oui, tu peux me faire confiance, etc. Je serai tranquille. Et elle est allée avec ses... En bas, elle parlait de ceci et cela, de toutes sortes de choses. Et chacun avait quelque chose à dire, parler. Et subitement, l'homme en haut a commencé à louer, à exalter. Le plafond a commencé à comme vouloir s'ébranler, à se secouer. Et il a sauté avec son pied à droite à gauche. Il a dit gloire à Dieu, alléluia, à se réjouir. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et les femmes en bas se sont regardées l'un à l'autre. On dit mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et il est descendu par les escaliers. Et puis il a dit. Alors, elle est montée rapidement, puis elle a dit, mais papa, qu'est-ce que c'est? Tu n'as pas la Bible, tu as un livre de géographie. Il a dit, mais oui, regarde, j'ai lu dans le livre que tu m'as donné que dans la mer, il y a des endroits où on ne peut pas estimer la profondeur. Il a dit, oh, gloire à Dieu, je sais, selon Miché, ce que ça signifie, que c'est là que le Seigneur a jeté mes péchés. Là où on ne peut pas estimer la profondeur, là où on ne peut pas atteindre le fond, où il n'y a pas de fond. Ils disparaissent pour toujours. Et il a commencé à louer et à exalter le Seigneur. Et vous voyez, c'est ainsi. Dieu a jeté nos péchés dans la mer de l'oubli. Ils n'existent plus. Ils n'ont jamais existé devant lui. Oh, comme c'est merveilleux. Et nous tenons là. Michée 7, verset 18 à 19. Justifié par Jésus-Christ notre Seigneur, saint comme il est. Car il ne me voit pas quand j'arrive là. Non, il voit son propre fils. Au travers de Jésus, il me voit. Il ne peut pas me voir parce que je suis dans son fils. Alléluia. Et il voit seulement son fils. Est-ce que cela n'est pas merveilleux? Alors, vous n'avez plus besoin de penser au péché. Car il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est-à-dire qu'ils marchent selon l'esprit. Vous n'avez plus besoin de vous inquiéter. Car votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Colossiens 3, verset 3. Cela est ôté de la mémoire de Dieu. Ésaïe, le prophète puissant, a confessé ses péchés et a dit, malheur à moi, car je suis un homme avec des lèvres impures. Un prophète, un homme avec des lèvres impures, et mon assemblée est impure. Les hommes à qui j'ai prêché sont impurs, je suis impur. Et malheur à moi. Mais maintenant, il a vu les séraphins. Et ils ont dit, saint, saint, saint. Et l'Éternel des armées. Et il a vu même que les pans de sa robe remplissaient le temple. Et des séraphins qui ne savent pas ce que c'est que le péché. Et là-bas, dans la présence de Dieu, chacun, six ailes, deux dont il se couvrait la face. Et on dit, saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Oh, alors vous allez sûrement ne pas vous pourrez jamais vous sentir saint dans la présence de Dieu. Non, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, malheur à moi, je suis perdu. Et quand il a confessé ses péchés, le séraphin est allé, a pris une pincette et a pris sur l'autel une pierre ardente. Et cette pierre ardente représente le baptême d'esprit et de feu. Et quand, avec cette pierre ardente, il a touché sa bouche, il a dit, maintenant tu es pur. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Et c'est comme si le rideau du temps a été tiré. Et il a entendu la voix qui a dit, qui en verrai-je et qui marchera pour nous? Vous voyez?
Et alors, il a répondu, me voici, envoie-moi. Il était dans la présence de Dieu. Il avait confessé ses péchés et il a été purifié de ses péchés et il était prêt pour le ministère. Amen. Comme le poète l'a dit, des millions sont en train de mourir dans le péché et dans l'abomination. Ils entendent leur dernier appel, le dernier appel. Frère, dépêche-toi à les aider et dis, maître, me voici. Quand je pense à l'Afrique, quand je pense à l'Inde, quand je pense au monde entier, des millions de païens, d'incroyants, crient après la grâce et qui ira pas leur apporter un traité. Mais c'est Jésus-Christ qui doit être apporté. Quelqu'un qui est dans sa présence, comme Moïse qui pouvait leur apporter la délivrance. Pas devenir membre d'une église, mais une délivrance pour l'âme. Quelqu'un, un homme de Dieu. Oui, Esaïe a confessé ses péchés et a été purifié. Après que Jacob avait combattu avec Dieu toute la nuit et avait confessé ses péchés, vous pensez à cela? Ça a été appelé Péniel. Genèse 32, verset 30, et en hébreu, ça veut dire la face du Dieu Tout-Puissant. Jacob était un trompeur. Vous savez ce que son nom signifie, le trompeur, Jacob. Et pendant toute sa vie, il s'est enfui de Dieu, éloigné de Dieu, mais là, il a été dans la présence de Dieu, Genèse 32, verset 30, et c'est dans sa présence qu'il a saisi le Seigneur et qu'il ne l'a plus laissé. Il s'est attaché fermement au Seigneur dans la présence de Dieu et il est resté avec lui jusqu'à que le soleil se soit levé et le Seigneur a dit, laisse-moi aller. Mais il est resté là et il a dit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Le verset 26 de Genèse 32, il a été justifié. Oh, comme la chose a été grande. Il est parti de la justifier. Il a persévéré. Il avait vu des signes de Dieu. Il avait reçu des songes. Il avait reçu la bénédiction d'Abraham. Il avait le droit d'aînesse. Mais maintenant, il a rencontré Dieu de face à face. Pensez à ça, bien-aimés frères et sœurs, alors que nous nous dépêchons. Dans la présence de Dieu, un homme est transformé. Jacob a été transformé. Maintenant, il pouvait marcher avec Dieu. Il fallait qu'il soit transformé pour pouvoir pas seulement rencontrer Dieu, mais demeurer dans sa présence et marcher avec Dieu. Tout était passé. Il ne pouvait plus marcher comme il a marché autrefois. C'est ainsi qu'il a établi un hôtel, vous voyez. Je vous dis, si vous êtes venu dans la présence de Dieu, alors vous allez vouloir lui bâtir un hôtel. Vous avez besoin d'un endroit où vous pouvez prier. Où vous pouvez être seul avec Dieu. Il a été purifié. Et Jacob a été transformé. Auparavant, il était un trompeur. Mais maintenant, Jacob est devenu un Israël, un prince de Dieu. Cela s'est passé avec lui. Il était un trompeur autrefois, un homme injuste, un homme qui n'est pas saint, un homme trompeur. Et oui, trompeur. Il a comme ça, par la tromperie, reçu le droit d'aînesse. Et d'une mauvaise manière, il a reçu. Il a trompé tous ceux qui rencontraient. Il a trompé son beau-père. Il a trompé son père, sa mère. Il les a trompés tous. Partout où il allait, il a trompé. Et il était toujours en train de s'enfuir loin de Dieu. Mais quand il est arrivé dans la présence de Dieu, il s'est reconnu pécheur. Et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu ici son occasion, il a rencontré celui qui était le Dieu Tout-Puissant
Il ne savait pas ce qui allait se passer, mais là, alors il a confessé ses péchés. Dieu l'a pris dans sa présence. Dieu a créé une possibilité et Dieu a des possibilités pour recevoir des hommes dans sa présence. Il y en a qui s'éloignent de Dieu. Il y en a qui viennent à lui. Et il y en a qui disent, oui, non, ici, il n'y a rien de Dieu et ils partent. Non. Mais lui, celui qui confesse ses péchés, ils lui seront pardonnés. Et celui qui les cache, ils ne lui seront pas pardonnés. Jacob, le prochain jour, il est allé pour rencontrer Ésaü, il n'avait plus besoin d'aide. Il n'avait plus peur. Non. Il n'avait plus besoin d'armée non plus. Non. Il avait établi l'autel et mis sa confiance en Dieu. Maintenant, il n'avait plus peur devant Ésaü. Dans le psaume 16, verset 8, ici David dit, j'ai constamment l'Éternel devant mes yeux. Le psaume 16, verset 8, le Seigneur est constamment devant mes yeux. Vous voyez, il n'était plus confus. Il voulait être certain que la présence de Dieu est avec lui, est avec lui. Et David a dit, j'ai constamment l'Éternel devant mes yeux. Nous devons être certains que la présence de Dieu est avec nous dans ce que nous faisons. Comme David disait, j'ai constamment l'Éternel devant mes yeux. Et il avait le témoignage de l'Éternel qu'il est quelqu'un qui, en toutes choses, fera la volonté de Dieu. Actes chapitre 13. David était certain. Il était toujours certain de la présence de Dieu. Et que cela n'est pas une leçon pour nous tous. Que nous devons réellement avoir le Seigneur devant nos yeux pour que nous soyons certains de sa présence. Mettez-le toujours à la première place. D'abord, placez-le devant vos yeux et fixez vos regards sur lui et vous ne pécherez jamais. Si vous reconnaissez que vous êtes constamment, continuellement dans la présence de Dieu et si vous savez que Dieu est autour de vous, est en vous et avec vous et vous entoure, vous allez être attentif à ce que vous faites, à ce que vous dites, à ce que vous pensez. Un homme qui pense que Dieu n'est pas là, alors il va convoiter les femmes, il va pouvoir regarder une femme, il va pouvoir avoir des pensées mauvaises, il va voler, il va tromper, il va mentir, il va faire toutes ces choses quand il pense que Dieu ne le voit pas. Mais apporter cet homme dans la présence de Dieu et toutes ces choses-là vont cesser. David disait, j'ai constamment l'Éternel devant mes yeux. Je l'ai placé devant mes yeux. Ça, c'est une bonne chose. Ce n'est pas un miracle que Dieu a dit qu'il était un homme selon son cœur. Les hommes font toutes choses quand ils pensent que Dieu ne les voit pas. Mais quand ils reconnaissent que Dieu est proche et que Dieu voit tout, alors ils se reconnaissent comme pécheurs. Dieu, dans les psaumes, il est dit qu'il est du haut des cieux et il regarde. Et c'est ainsi qu'ils ne vont plus raconter des blagues sales et souillées et faire des plaisanteries. Ils vont arrêter avec toutes ces choses car ils savent qu'ils sont dans la présence de Dieu. Car Dieu habite parmi son peuple, dans son peuple. Vous voyez David, il disait alors, mon cœur doit exalter, mon cœur doit exalter et ma chair se reposer dans l'espérance. Pourquoi mon cœur va exalter? Car j'ai Dieu constamment devant mes yeux et ma chair sera dans l'espérance. Quand j'irai dans la mort, alors je vais ressusciter, car il ne permettra pas que mon... Car mon corps repose en sécurité, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne mettras point ton bien-aimé, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Mettez Dieu à la première place. Que d'abord sa volonté soit faite. Je voudrais que vous puissiez écouter, je voudrais dire quelque chose. Que le Seigneur soit constamment devant vos yeux. C'est seulement comme ça que vous pourrez faire toute sa volonté. Ne faites pas ce que vous ne feriez pas devant lui, en sa présence, car il vous regarde.
Le Seigneur entoure tous ceux qui le craignent. Il est proche de vous. Il sait tout ce que vous faites. Et ça, vous devez le comprendre. Même dans le psaume 33, verset 12, verset 13. Si vous voulez mentir, arrêtez de le faire. Le Seigneur vous regarde. Si vous êtes tenté à faire quelque chose, arrêtez car le Seigneur vous regarde. Si vous êtes tenté à utiliser d'une manière mauvaise son nom, arrêtez. Si vous êtes tenté à fumer, arrêtez de le faire car il vous regarde. Vous voyez, nous avons chanté un cantique. Sur le chemin, il y a un œil qui veille sur vous. Faites comme David a fait, que le Seigneur soit constamment devant vos yeux. Alors vous pourrez exalter et votre chair ira dans le repos. Oui, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Il savait qu'il allait ressusciter car Dieu l'avait promis. Le psaume 16, verset 8, jusqu'au verset 11. Oui, si nous sommes dans sa présence, nous sommes transformés, nous ne sommes plus les mêmes. Dans tous les différents âges, tous ceux de tous les tribus, tous, regardez Abraham. Vous pensez que c'est seulement les prédicateurs qui ont une vie transformée? Non, tous les croyants ont une vie transformée. Abraham était un fermier, mais quand il a entendu la voix de Dieu parler et a vu les visions, il a été un homme transformé à l'instant même. Il s'est séparé de ses parents, de ses amis, et il est sorti comme le Seigneur lui avait ordonné, comme c'est écrit dans Hébreux 11, c'est par l'obéissance qu'il est sorti. Et il vivait dans des tentes, car il cherchait une ville dont Dieu est lui-même l'architecte. Et il savait qu'il n'a pas de demeure permanente ici sur terre. Il savait que Dieu est là. L'homme doit savoir que Dieu existe et qu'une personne qui le sait réellement est une personne qui cherche cette ville dont Dieu est l'architecte et sait que sur cette terre, il n'a pas de demeure permanente. C'est ainsi que Abraham était un fermier, il voyait des visions, il était dans la présence de Dieu et il était transformé. Moïse aussi était un berger, mais il a été aussi un homme transformé alors qu'il est rentré dans la présence de Dieu. Auparavant, il était un lâche, il s'était enfoui de Pharaon. Mais après, avec un bois dans la main, il est allé pour faire sortir le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il avait été dans la présence de Dieu et il était dans la présence de Dieu. Il pouvait plus s'enfuir, il était un homme transformé. Regardez Pierre, un pêcheur de poissons. Il ne savait rien de Dieu en dehors de ce qu'on lui avait dit. Il savait seulement comment est-ce qu'on pêche le poisson. Mais quand il est venu dans la présence de Dieu, il a vu alors que celui qui avait parlé avec lui jetait votre filet à droite. Et il a dit, à ta parole, nous allons le faire. Nous le faisons. Et tu as dit, et nous le faisons à ta parole. Et c'est ainsi que ils ont jeté les filets dans l'eau et ils ont commencé à les retirer. Et il a dit, Seigneur, voyant tous les poissons, Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. Pierre n'était plus le même, non. Vous voyez, et c'est à lui qu'il a été alors donné les clés du royaume des cieux. Vous voyez, Paul, un pharisien sévère, traîné dans la religion de ce temps. Entraîné dans la religion de ce temps, l'enseignant des enseignants, le docteur des docteurs. Mais quand il se tenait devant le Dieu qu'il persécutait dans l'ignorance, il était un pharisien. Il ne croyait pas que Dieu, en tant qu'homme, aurait pu se manifester dans la chair. Mais alors, quand il a vu la colonne de feu et il a entendu cette voix, je suis Jésus, alors il a su ce que c'était. Et la réponse a été, je suis Jésus que tu persécutes. Vous voyez? Et alors plus tard, il pouvait dire, comment est-ce que vous avez été baptisé? Il avait été dans la présence de Dieu. Il était dans la présence de Dieu. Il était transformé depuis ce jour dans la présence de Dieu. Le Seigneur transforme.
finé, un avocat finé. C'était un avocat, là-bas en Philadelphie. Mais quand il est venu dans la présence de Dieu, il a abandonné et il a arrêté tout ça. Et il a été le prédicateur le plus puissant de cette nation. Et quelqu'un pourrait dire, je suis un prédicateur. Et c'est ainsi qu'ils sont venus affiner. Et on lui a dit, tu es un prédicateur puissant. Mais tu as besoin du baptême du Saint-Esprit. C'était une réunion de prière qui particulièrement était visitée par des femmes. Et ils lui ont dit de nouveau, tu as besoin du baptême dans le Saint-Esprit. Et ils ont dit, prie pour ça. Et ensuite, le temps est arrivé où il a aussi, dans la prière, devant Dieu, apporté cette requête. Et il a dit, Seigneur, mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Et il est allé alors dans la présence de Dieu et il a reconnu que, en fait, il y avait eu un objectif dans cela. Et ses larmes ont commencé à couler. Et il a dit, peut-être que ces femmes-là ont raison, qui me disaient que je dois prier pour le baptême du Saint-Esprit. Et je pensais maintenant, on m'a vu ici, comment est-ce que je suis en train de prier? Et je vais avoir honte de parler à mon chef. Pourquoi est-ce que je devrais avoir honte de parler avec Dieu? Et alors il est allé dans son bureau et il a dit, Seigneur, fais-moi grâce. Je suis si lâche, j'ai eu honte de prier et d'être vu dans la prière par les autres. Mais quand il a été dans la présence de Dieu, il a été transformé. Il a tenu les mêmes prédications qu'auparavant. Mais à ce moment-là, maintenant, des âmes venaient à Jésus. Il était dans la présence de Dieu. Maudit, un vieux cordonnier. Il ne connaissait même pas son ABC. Il connaissait à peine son ABC. Sa grand-mère était très pauvre. Sa grand-mère, oui. Son vocabulaire, donc, sa grand-mère était très pauvre. Mais il a dit, mais c'est par ce langage que je touche des âmes. Et beaucoup venaient à lui. Alors, ils se sont demandé, mais comment est-ce qu'un tel homme peut attirer tant de foule? Il est chauve. Et sa barbe tombe là. Et il a un gros ventre. Et il a une apparence terrible. Et c'est ainsi que les journaux l'ont un peu pour se moquer, ont parlé de lui. Et ils ont dit, nous ne pouvons pas savoir pourquoi est-ce que toute cette foule va écouter un tel homme. Mais qu'est-ce qu'ils voient dans cet homme-là? Dans ce Wild Maudit. Il a une vilaine apparence. Il est laid, sa voix est grasse, est enrouée, et sa barbe tombe. Et il a une tête comme un turbis, comme un petit rond. Comment est-ce que toute cette foule va là-bas pour le voir? C'est ce que les journaux ont écrit. Et c'est ainsi quelqu'un est venu et a lu cela à Maudit. Et Maudit a comme ça détendu ses épaules et il a dit, mais c'est normal. Ils ne viennent pas pour me voir, ils viennent pour voir Christ. Il était dans la présence de Dieu. Vous voyez? Et il n'a plus continué à faire des chaussures, mais il a fait des chaussures pour les hommes, pour qu'ils puissent aller et apporter l'évangile de la paix. Pourquoi? Parce qu'il était dans la présence de Dieu. Ils ont reçu par cette prédication l'armure de Dieu, des chaussures pour annoncer l'évangile de la paix. Quand il a été dans la présence de Dieu,
au moment cela a eu lieu, ils ont reconnu qu'ils étaient dans la présence de Dieu. Ça a toujours été comme ça pour les croyants. Et chaque péché a été pardonné et purifié, et ils étaient blancs comme un lili. Oh, je pourrais encore compter beaucoup de personnes. Le temps ne nous le permet pas. Peut-être que je devrais dire quelque chose sur moi. Qui aurait pu être plus bas que moi? Où est-ce que j'étais? Je viens d'une famille de personnes qui étaient des alcooliques. Et maintenant, il est en train de raconter toutes les mauvaises choses de sa famille, mais de lui-même, mais nous les connaissons de nous-mêmes aussi. Nous ne sommes pas meilleurs. Et même si je voulais aller dans la ville et parler avec quelqu'un, et personne ne voulait avoir affaire à moi. Et je pensais, pourquoi est-ce que tout cela est ainsi? Mais un jour, je suis venu dans la présence de Dieu. Il m'a transformé. Et il m'a transformé, il m'a fait devenir un autre fils. Un autre enfant. Sa grâce, c'est sa grâce qui m'a transporté dans sa présence. Et je ne voulais plus jamais la quitter. Maintenant, je vis dans sa présence depuis plus de 30 ans. Et je ne veux plus jamais la quitter. J'ai la certitude que je serai toujours et toujours dans sa présence. Même la mort ne pourra pas me séparer de la présence de Dieu. Pour toujours, je serai avec lui. Alors que pour la première fois, j'avais expérimenté sa présence, j'ai pleuré et j'ai crié comme Esaïe. Et alors il m'a touché dans sa grâce et j'ai été transformé. Et c'est ainsi que moi, le verge, j'ai été transformé, le petit. Et depuis ce jour, je suis son fils, je suis son enfant. Toute ma vie, j'avais un seul désir, c'est d'être à son service. Et si j'avais 10 000 vies, je les mettrais tous à sa disposition. Cette vie que j'ai maintenant est presque passée, est presque terminée. Depuis plus de 53 ans maintenant. Et tout, à peu près 32 ans jusqu'à maintenant, a été consacré à l'évangile. Je me souhaite encore des milliers de vies, parce que celui qui a été une fois dans sa présence et qui a été aimé, qui est aimé par le Dieu Tout-Puissant, ne peut jamais plus quitter cela. Dieu prend soin de nous. Nous avons seulement besoin de demeurer dans sa présence. Oh, j'ai mis mon bras sur sa croix, autour de sa croix, et nous sommes devenus un. Je l'ai aimé depuis qu'il m'a rempli de lui. Et il est tout ce dont j'ai besoin. Je suis heureux ce soir d'être l'un d'eux qui lui appartiennent. Et si le tentateur mettrait tout son effort, non, dans la grâce de Dieu, je vivrais. Je vis pour mon Dieu. Mon cœur exalte. Et je veux dire à chaque âme de venir à Dieu. Vous qui avez jamais entendu parler de l'évangile, confessez-lui vos péchés. Dites ce que vous avez fait de travers, de mal, de mauvais. Confessez-lui sincèrement et venez à lui. Et vous allez voir que le Saint-Esprit agira en vous. Et que vous direz aussi, me voici Seigneur. Prends-moi et vous verrez que vous direz aussi, envoie-moi, je suis prêt. Alors vous pourrez chanter, je veux le louer, je veux le louer. L'agneau, je veux louer l'agneau qui est mort, qui a été immolé pour le péché, pour le pécheur. Et lui apporter la reconnaissance, car son sang nous a lavé de toute tâche. Vivre dans sa présence. Oh, je suis venu aujourd'hui devant la chair. Je me suis ressenti un peu mal.
et j'étais au Kentucky avec des amis personnels. Et si j'étais encore resté là-bas longtemps, ils m'auraient tué. Mais bien sûr, ils m'auraient tué avec tout ce qu'ils ont, avec leurs biens. J'ai vu là-bas les meilleures cuisines que j'ai jamais vues au monde, de toute ma vie. Et j'étais presque submergé. Les uns disaient, m'invitaient ici, m'invitaient là, tu voudrais encore venir manger, dans ceci et cela. Et est-ce que tu voudrais encore? Oui, nous avons préparé cela pour toi, nous avons fait cela. Et je pouvais même plus me bouger. On aurait dû presque me porter. Et c'est peut-être raison que je me suis plus bien senti. Mais quand je viens dans sa présence, tout est différent. Tout est réglé, tout est passé. Oui, je me sens bien seulement dans sa présence, de vivre dans sa présence. Oh, je vais le louer de manière que c'est lui qui même qui vit. Il vivra seulement si nous sommes dans sa présence. Je vais le louer. Frère Branham chante. Je vais le louer, l'agneau de Dieu qui est mort pour le pécheur, qui a été immolé pour le pécheur. Donnez-lui l'honneur, vous tous hommes, car son sang a lavé toute tache. Nous voulons couper maintenant les têtes. Oh, il a tant fait pour moi. Il a pardonné toutes mes transgressions. Son sang, ton sang a lavé tous mes péchés. Je veux te louer. Je veux le louer. Louer l'agneau pour le péché, immolé pour le pécheur. Donnez-lui l'honneur, vous tous hommes. Car sein Blut son sang hat jeden Flecken hinweggewaschen. Lavé chaque tache. Ich will ihn preisen. Je veux le louer. Wenn ihr jetzt hier seid, heute si vous êtes ici ce soir, et je sais que sa présence est ici, je me tiens là-bas et c'était une et là-bas il y a une fille de l'Assemblée de Dieu et le Saint-Esprit agissait par moi et les parents étaient venus de l'Assemblée de Dieu et le responsable là-bas il le savait et il le sait que la fille a un cancer de sang et le médecin a dit qu'elle ne peut plus vivre. Elle était déjà gonflée et tout était déjà bleu de toutes ces injections et ces vaccins qu'elle avait reçus. Et les parents avaient lu un livre et ils se sont sentis conduit à venir et le Saint-Esprit a révélé le passé de la fille, tout ce qui s'était passé dans sa vie et j'avais vu comment est-ce que la fille aime bien jouer au piano et voulait bien apprendre le piano et comment est-ce que la maman qui était présente était en train de confirmer tout ce que je disais. Maintenant elle est assise ici. Ils écoutent. Les parents sont dans. Elle est assise ici et les parents sont dans la voiture et subitement. Il y avait eu comme une ombre sur cette fille. Et j'ai dit, Satan, tu es vaincu. Et j'ai dit, auprès de Dieu, devant Dieu, il n'y a pas d'exception de personne.
en tant que le serviteur de Dieu, j'ordonne à Satan de quitter cette fille. Et la lumière est descendue sur cette fille et tout avait disparu. Oh Dieu est digne de recevoir notre louange car il est capable de faire toutes choses. Il connaît votre cœur. Il sait ce que vous pensez. Il le sait. Si le péché est encore là dans votre cœur et que vous ne pouvez pas venir avec cela dans la présence de Dieu, est-ce que vous ne voulez pas lui apporter d'abord ces choses et lever la main et dire, frère Branham, prie pour moi, car je voudrais être en ce jour-là dans sa présence, sans péché. Dieu le voit, Dieu voit vos mains dans sa présence. Je vous dis ce que vous devez faire. Écoutez, faites comme David. Ayez constamment le Seigneur sous vos yeux. Et c'est ainsi que apportez tous vos péchés au Seigneur, quoi que ce soit, mentir, voler, ou avoir des mauvaises pensées sur quelqu'un, ou bien vous mettre en colère, vous énerver, quoi que ce soit, la convoitise ou bien les désirs, quoi que ce soit, ayez le Seigneur constamment devant vos yeux, et vos cœurs vont louer. Et c'est-à-dire que votre esprit sera dans l'allégresse et votre cœur sera dans la joie et votre corps reposera en sécurité. Car quand il reviendra, alors vous ressusciterez et vous partirez dans l'enlèvement. Prions. Père Céleste, une prière, une prédication découpée par un serviteur fatigué à porter. Mais je pense à ce sujet dans la présence de Dieu. Demeurer, vivre, être, demeurer dans la présence de Dieu. Et nous voyons ce soir que ça a eu comme effet dans des saints hommes qui sont venus dans ta présence. Comme la Bible parle que les prophètes étaient des saints hommes. C'est écrit dans 2 Pierre. Des prophètes, grands prophètes, des prophètes puissants, déterminés par Dieu à prêcher sa parole. Mais là-bas, dans sa présence, ils sont tombés comme morts. Que ce soit Jean, que ce soit Esaïe, que ce soit Moïse, que ce soit Abraham. Qu'est-ce que nous allons faire, nous, dans ce jour? Oh, nous avons pensé à cela, Seigneur. Il y a 40 à 50 personnes qui se sont levées. Ils ont reconnu que tu leur as parlé. Et maintenant, ils ont l'occasion. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Quand ils vont devoir te rencontrer, moi aussi, mes mains sont levées. Qu'est-ce que je vais faire? Oh, Père. J'ai beaucoup de choses que je fais de mauvaise manière, de manière mauvaise. Ce matin déjà, j'étais confessé mes péchés. Seigneur, je te les ai confessés là-bas sur la montagne. Alors qu'il y avait de la neige et qu'il y avait de la tempête. Là-bas, je te les ai confessés. Et je t'ai demandé de me les pardonner. Toutes mes idioties. Et les frères qui me reconnaissent comme prophète, j'ai dû leur dire que j'ai fait quelque chose de faux. Mais tu es bon avec mon âme. Je n'ai pas caché mes péchés. Je voudrais être sincère devant toi et devant le peuple. J'ai confessé mes péchés. Je suis dans l'erreur et je suis faux. Seigneur, je te demande de me pardonner. Et je ne t'ai pas servi comme j'aurais dû te servir. Oh Seigneur, je confesse mes péchés devant toi. Et je voudrais que mes péchés soient purifiés par le sang de Jésus. D'autres mains se sont levées. Peut-être qu'il y en a qui n'ont jamais demandé que tu leur pardonnes. Leur façon de vivre, leur façon de parler, leur façon de penser, leur façon d'être, de se conduire. Oh, confessez vos péchés, c'est ainsi qu'il est fidèle pour vous les pardonner et vous purifier de toute injustice. Et c'est ainsi qu'il les jettera dans la mer de l'oubli et ne va plus en penser. Père, je t'ai confessé mes péchés. Et j'ai confessé que je ne me suis pas bien comporté devant les hommes, devant toi. Je ne me suis pas comporté comme un serviteur de Dieu. Je ne me suis pas comporté comme un serviteur de Dieu. Et j'ai pensé que cette personne va m'en vouloir.
Je ne voulais pas blesser cette personne, mais je t'ai blessé, Seigneur. Oh Seigneur, je te demande, pardonne-moi. Et je te prie, si je te demande le pardon, que je puisse le recevoir. Et que tu puisses jeter tout cela dans la mer de l'oubli. Et que tu ne penses plus à tout cela. Je te remercie pour cela, Seigneur, pour cette parole de Michée 7, verset 19. Et je te demande que tous ceux qui sont dans le péché et qui sont entourés par le péché, qu'ils puissent l'ôter et avoir le Seigneur constamment, qu'ils puissent te l'apporter et avoir et t'avoir constamment devant leurs yeux. Car maintenant, nous t'invoquons et nous disons, « Oh, malheur à moi, car je suis perdu, j'ai vu la gloire de Dieu. Je suis un homme, un jeune homme, quoi que ce soit, qui que vous soyez, jeune fille, jeune homme, nous sommes tous impurs. Nous demandons que le sang de Jésus Christ, le sacrifice par lequel nous sommes purifiés de tout péché, Seigneur, que nous puissions aller de cet endroit avec des cœurs joyeux et que notre cœur se repose en sécurité et que notre esprit soit dans l'allégresse. Que nous savons que quand Jésus reviendra, nous serons avec lui, unis et nous le rencontrerons dans les airs, dans l'enlèvement. Et quand le compte à rebours sera achevé et nous voyons déjà les sept âges de l'Église, comment est-ce que nous les avons vus, nous les avons pris dans le déroulement. Seigneur, nous te prions, avant que tu fermes les portes, si quelqu'un est ici ce soir, qui n'est pas encore venu, qu'il puisse rapidement venir et entrer car nous ressentons que le temps de la grâce bientôt sera fermé. Ceux qui veulent accepter la grâce, qu'ils puissent vraiment venir. Ceux qui ne veulent pas entrer vont devoir souffrir le jugement, car les portes seront fermées par Dieu lui-même. Que la porte ne soit pas encore fermée aujourd'hui, qu'ils puissent encore venir à toi et confesser leur péché, et que tu puisses expérimenter le pardon de leur péché. Au nom de Jésus-Christ, c'est ma prière. Père, je te prie maintenant pour les malades, pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont dans des problèmes, dans des difficultés, que ta grâce puisse être accordée à chacun d'eux, et qu'ils puissent entrer en Christ, dans ta présence, dans sa présence, et Christ et les promesses, qu'ils puissent les avoir constamment devant leurs yeux. Il a été meurtri pour mes péchés, pour mes iniquités. Mais par ses meurtres, je suis guéri. La condamnation qui produit la paix a été mise sur lui. Oh, que ce soit que je suis malade ou quoi que ce soit qui me concerne, je ne vais plus hésiter de confesser et de dire ce que ta parole dit, que je suis guéri et par tes maîtres sûrs, et je veux confesser cela, le croire de tout mon cœur et le confesser de ma bouche. À salut. Oh, accorde ces choses à chacun. Et nous croyons que si nous confessons de notre bouche et nous croyons de notre cœur, alors nous recevons ce dont nous avons prié. Et il est écrit, si vous vous tenez là, et que vous croyez, ce que vous dites va s'accomplir. Si vous croyez que ce que vous dites s'accomplit, cela s'accomplira. Que ce que vous dites est accompli, cela s'accomplira, cela arrivera. Que tu puisses guérir les malades et guérir toute douleur. Accorde-nous ta grâce pour te servir, soit avec ces hommes. Beaucoup vont encore entreprendre un long voyage ce soir, beaucoup de kilomètres cette nuit. Que tu puisses les garder en chemin, ils viennent des différents pays pour ici et entendre le compte à rebours, pour entendre comment est-ce que nous sommes proches de la fin. Seigneur, je te demande que tu puisses être avec chacun d'eux, que Dieu puisse être devant leurs yeux constamment, avant que quelque chose arrive, avant le voyage, avant qu'ils se mettent en chemin, avant même qu'ils se lèvent, avant même qu'ils aillent au lit, que le Seigneur soit toujours constamment devant leurs yeux, quoi que ce soit. Car il est à ma droite et je ne serai pas touché. Et rien m'arrivera. Oui, que leur cœur puisse être dans l'allégresse et qu'ils puissent recevoir selon leurs besoins. Dieu l'a promis et c'est ainsi que notre corps même reposera en sécurité. Nous te prions cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.